Le favori de ce barrage, je vous rappelle qu'il ne sont que 4, Douglas Lindelow, Cameron Henley, Schutmeyer et Christian Allemann avoir réussi à obtenir un ticket pour la finale de cette cinquième étape. Attention, le champion olympique de Londres est là, Steve Garda, avec Cavalier, ce fils de Canaan, petit-fils d'Alligator Fontaine. Il fait un assez bon début sur ce circuit, Steve Garda, puisqu'il est 18e. Il a, on va dire, 45% des points nécessaires pour aller à la finale. Tenant du titre, de toute façon, il ira qualifié d'office. Obligatoirement les vainqueurs de l'année précédente. Steve, là, dans le papier de Cavalier, a combiné deux origines qui lui ont bien exactement, réussi. Avec laquelle il a gagné des étapes Coupe du Monde. Canaan avec Nino et Janis Cassolier avec Alligator Fontaine. Devant. Hein. Oh. Superbe, superbe énergie là dans le triple. Ah, ouais. Un peu emmené. Steve 4 foulé aussi là. Ouais, dommage. Ah, il avait du temps. Ouais, 22e pour l'instant le meilleur suisse, Piusz Schwitzer. Et puis là, on voit Steve Garda prendre lui la 18e place avec 4 points plus 1 point de pénalité. 13-16 le chrono pour 73 d'accorder. Pas si facile pour Steve, enfin pour tous les autres cavaliers, c'est incroyable, ce parcours est tout à fait étonnant. 200 fautes sur les 3 premiers et on se retrouve à 4 simplement. Bon, c'est pas fini. Et oui, mais en même temps, plus.